Hey hey hey, salut à tous et bienvenue sur cet épisode de bien débuter sur Minecraft, l'épisode numéro 12, le dernier épisode. On va parler de l'end. Alors bizarre parce que on va aller tuer le boss final de Minecraft, enfin on va pas le tuer là, mais on va aller voir le boss final de Minecraft dans bien débuter sur Minecraft, je sais, c'est bizarre. En gros, c'est pour tous ceux qui veulent réussir à trouver l'end, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la fin de Minecraft, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire grâce à, euh, grâce à la fin, en fait, après avoir tué le dragon, on va pouvoir faire de nouvelles choses. Donc euh, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je me fais un petit coffre de l'end. Alors qu'est-ce que c'est que le coffre de l'end Quand je vais placer un objet dedans, et que si je, pla si je place un autre coffre ici, au moment où j'ouvrirai celui-là, en fait c'est un coffre commun. Tous les coffres euh, euh, de l'end contiennent la même chose. Euh, voilà, c'est euh, plutôt pratique parce que du coup là je vais aller très très loin. On va trouver l'end. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour trouver l'end Alors, au minimum, il vous faut euh, des, des yeux du néant. Alors, comment vous faites Il faut tuer des underman, ramasser leurs euh, underpearl, et ensuite les combiner avec euh, les blaze rods. Euh, C'est-à-dire ce euh, que lâchent les blaze, les bâtons. Euh, et vous obtenez, en fait, grâce à ces deux composants, vous obtenez l'œil du néant qui va être indispensable pour ouvrir le portail et pour le trouver également. Donc il faut être allé dans le Nether hein, pour aller dans l'End. Et moi, qu'est-ce que j'emmène avec moi J'emmène de quoi faire des outils, donc établis, euh, et, etc., des torches, des blocs, du sable, vous verrez que ça peut être très utile. Si ça se trouve, il va être inutile, mais des fois, il va l'être. Et des potions de rapidité. Voilà, et de la nourriture et de l'eau, échelle. Bon, voilà, moi j'en marque quelques trucs euh, avant de partir à l'aventure. Donc, comment ça fonctionne Mes yeux du néant, je regarde vers le ciel, je, le, je balance. Et voilà, mon œil va par là-bas. Ça veut dire que la forteresse se trouve par là-bas. Alors, elle va se trouver sous terre. Et des fois, elle se trouve sous la mer. Et c'est pour ça que je prends du sable. Euh, c'est parce que quand ça se trouve sous la mer, il suffit juste de, de lâcher du sable. Euh, en masse et vous pourrez après vous aurez juste à creuser plutôt que de, de vous retrouver comme des idiots alors donc c'est bien par là bas alors des fois l'œil disparaît c'est à dire des fois il va être il va lâcher il va, il va retomber par terre et des fois il va disparaître alors hop petite potion de vitesse voilà ça va être tranquille comme ça Voilà, donc on y va tranquillement. Donc on ne va pas le tuer aujourd'hui. Je ferai une vidéo euh, sur comment le tuer le dragon de, de l'End euh, avec différentes techniques, euh, plus ou moins funky. Hein. Et euh, pour l'instant, on, euh, on va juste le trouver. Alors voilà, voilà. Donc c'est par là. Une fois que je serai proche. Euh, je le verrai tout de suite parce que. oh là où est-ce qu'il est parti ah, Toujours là-bas. donc Généralement, c'est assez loin. Hein. Euh, comment je saurais que je suis à côté Eh bien, l'œil va s'engouffrer dans le sol en fait, pour me montrer que le, le portail est proche et qu'il est juste sous mes pieds en gros. Donc j'avance, j'avance. Faut lâcher. Euh, vous pouvez lâcher euh, un œil tous les 50 blocs. Euh, moi j'en prépare à peu près une vingtaine. Oh joli, un petit village de PNJ. Très sympa. On n'en a pas parlé dans le bien débuté sur Minecraft. Euh, parce que je sais pas trop, je ne savais pas trop comment les intégrer à l'épisode. Mais je ferai des épisodes avec eux parce qu'on peut faire une usine à faire, on peut faire euh, plein de choses avec. Donc euh, je parlerai, je ferai un épisode sur le commerce avec les villageois. Hop, je continue, c'est toujours par là. Eh ben, je me servirai de ce village, tiens, pour euh, parler du commerce. On continue. Donc pourquoi aller dans l'End Donc l'End c'est un monde rempli euh, d'Underman. Et euh, Et pourquoi y aller Parce que ça permet de faire des fermes à XP qui sont très 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 efficaces. Euh, la ferme Underman, je la montrerai dans une vidéo. Euh, je l'ai sur ma, ma map personnelle et... et euh, on passe level 30 en 5 minutes. Enfin, c'est vraiment très très rapide. Et c'est pas très difficile à faire. C'est un petit peu chiant parce que c'est assez long. Euh, et que ça demande quelques, pas mal de ressources. Mais par contre, c'est vraiment très facile à faire. Il n'y a pas de, de système. Par exemple, le système pour la, la ferme à Blaze. Euh, la ferme XP à Blaze est plutôt complexe euh, au, niveau de, au niveau du système comparé, euh, comparé à celle d'Underman. Alors, on continue. Donc euh, voilà, il faut quand même vous équiper hein, euh, vraiment beaucoup de nourriture. Euh, une vingtaine d'œils, moi je vous conseille. Vous pouvez en prendre moins, mais c'est à vos risques et périls. Parce que si vous arrivez par là, euh, si vous arrivez là-bas et que vous n'avez plus assez d'œils pour, euh, euh, pour ouvrir le portail, euh, vous allez vous retrouver un peu idiot en fait, tout hein, simplement. Hop, on continue. Ah Où est-ce qu'il est allé Ok, par là-bas. Donc je dois m'en rapprocher parce qu'il m'indique une autre direction. Donc euh, ça veut dire que que je m'en approche. Oh là là, voilà, il est proche, vous l'avez vu partir dans le sol. On refait ça. Ouais, il est juste là, sous mes pieds. Alors, comment je fais Je peux faire ma technique, je vous ai montré comment accéder à, une, à, ma, à la mine optimisée en faisant comme ça. Donc ça, c'est une option. Euh, donc il faut avoir des échelles hein, sur soi. Moi, c'est ce que je vais choisir, je trouve que c'est ce qui est le plus rapide. Et après, de toute façon on pourra faire un portail, en servant des portails du Nether, on pourra faire un portail pour accéder euh, plus rapidement, entre guillemets, euh, pour accéder plus rapidement euh, à l'End, en fait. Il est possible, je ferai une, une vidéo tuto sur les, les portails, mais c'est assez simple. Ça vous permettra de vous téléporter dans la map. Euh, euh, de façon euh, bah du coup c'est quand même ça fait un, un raccourci par exemple si vous avez un donjon et que vous avez une ferme à XP mais qui est assez loin ça vous permet d'y accéder beaucoup plus rapidement je continue donc je vais devoir m'enfoncer à mon avis euh, pas mal hein. là je suis à 64 euh, je risque euh, je risque d'en avoir pour un petit moment donc euh, je descends je descends et je reprends la vidéo voilà, je reprends ma vidéo. Voilà où j'atterris. Il euh, y a de la lave pas très loin en fait, en tout du portail. C'est pour ça qu'il faut jamais creuser sous vos pieds. Ah, alors je vais pouvoir parler d'un mob dont je n'ai pas parlé. Euh, c'est le Silverfish. Alors c'est un mob un peu particulier qui peut se cacher dans les blocs. Euh, mais bon, je voulais en parler justement euh, quand je parlerai de l'End. Euh, vous pouvez repérer que vous n'êtes pas très loin avec ces pierres là. Ces pierres un petit peu particulières, euh, vous ne les trouverez pas ailleurs. Il euh, n'y a que dans les forteresses qu'on les trouve là. Oh là là, comment je vais faire Je vais péter le générateur, ça se fait pas trop. Mais, euh, mais moi, il me saoule et ils servent à rien, franchement. Allez, laissez-moi tranquille. Bon, je fais gaffe qu'il n'y ait pas d'autres générateurs. Voilà, ils vont pas m'embêter. Voilà, ils se cachent dans les blocs. C'est un peu particulier euh, comme mob. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on arrive proche de l'end. Hop, je me fais. Une... De quoi revenir après quand même. Voilà, et là si je veux rentrer, je peux repartir. Je vais placer mon coffre de l'end. Et là, je peux directement entre guillemets communiquer avec ma maison. C'est-à-dire là si je place des, des choses dedans, voilà, je pourrais la récupérer chez moi. Euh, donc il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le lend. On peut aussi se balader, voilà, trouver des. Diverses choses, euh, des loots, il y a des générateurs. Des fois, n'hésitez pas à l'explorer, il y a plein de choses à voir. Euh... Ouais, je pourrais aller voir, tiens, bibliothèque. Voilà, je crois que généralement il y a des loots. Euh... Bon, il y a diverses choses. Les forteresses, vous pouvez, vous pouvez aller faire un tour. Voilà vous voyez hein, il, y a, il, y a, il y a plein de choses. Ouais, du pain. Bon, allez, on va aller dans l'end. Donc n'hésitez pas à explorer la zone. Euh, à explorer la zone quand même. Euh, oh là là, une fois qu'on y est, par contre, il faut se retrouver. C'est pour ça que c'est... Faut essayer de pas se rater, de bien intérieur, pas loin du portail. Et voilà. Donc euh, euh, mes yeux du néant, je les place dans ces emplacements-là. Donc, vous voyez, là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut 10. Donc, euh, si j'en avais pas eu 10, je serais rentré chez moi. Tout bêta. Et voilà le portail vers l'end. Et j'ai été téléporté. C'est pas grave, je voulais pas rentrer tout de suite dedans. Euh, voilà à quoi ça ressemble. Un monde avec euh, beaucoup de choses. Oh non, je les ai regardés. Oh là 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 là. Oh là là, je les ai regardés. Quel idiot. Ça va mal se passer. Je vais mourir. Génial, je suis mort. Ah là là. Euh, bon, je vous fais une petite explication vite fait. Vous avez un boss, un dragon, qui va falloir tuer. Je vous spawn pas. Euh, je vous spoil, spoil, pas. Je vous dis pas comment ça va se passer. Euh, mais voilà comment trouver l'end. Il vous faut des yeux. Il vous faut de quoi creuser, à atteindre, à atteindre le portail. Et euh, une fois que vous vous pouvez atteindre le portail, euh, normalement, vous devriez pas avoir de problème il faut juste placer les yeux dans le portail et entrer et je montrerai dans une prochaine vidéo du coup comment tuer euh, le dragon. Voilà voilà, c'est fini pour les bien débutés sur Minecraft. Il va y avoir d'autres euh, d'autres euh, séries qui vont sortir, je vais faire euh, des présentations de maps donc Skyblock, Skygrid euh, et euh, ça c'est pour les plus connus mais il y en a beaucoup d'autres à présenter. Euh, les maps que j'aime bien euh, j'ai un autre projet dont je parle pas euh, où je vais essayer d'inclure d'autres youtubeurs euh, ceux qui veulent je proposerai à des youtubeurs euh, et euh, j'ai encore d'autres projets mais euh, je dis rien pour l'instant euh, mais les prochains ce sera surtout des présentations de maps je pense mais si vous avez des idées n'hésitez pas à laisser, à laisser euh, des commentaires à mettre un like à vous abonner comme d'habitude euh, merci à ceux qui sont abonnés qui mettent des j'aime euh, merci à tous, j'espère que la série vous a plu. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.